C'est quoi l'endroit insolite auquel on ne s'attendait pas où tu l'as fait avec lui? À l'arrière d'un cimetière. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Moi c'est Moodle. Je sais que vous connaissez Moodle. C'est sûr. Oui. Ok. Donc c'est Moodle. Et toi c'est? Maïli. Maïli? Joumen. Joumen? Ouais. Vous avez des jolis prénoms, hein? Merci. Ok. Je vous ai vraiment prise pour des personnes qui travaillent dans l'armée, hein, honnêtement. Dans l'armée? Vous travaillez dans l'armée, peut-être? Non, pas du tout. Ah oui? Ah ouais, ok. Bah, en fait, je demande parce que vous êtes canon. Bravo, vous êtes sur Internet. Merci. C'est la vérité, hein, vous êtes vraiment canon. Alors, du coup, on commence par quoi? Des devinettes? Bah, let's go. D'accord. Joumen, c'est ça? Oui. Joumen parcourt 1h30. Oui. De chez elle à l'école. Okay. Par contre, de l'école chez elle, elle parcourt 90 minutes. Comment c'est possible? C'est la même durée. Ah ouais. C'est 1h30. Bravo. Ouais, du coup, tu vas tomber dans le piège. Ah, ok. Un avion se crash à la frontière franco-belge. Où est-ce qu'on enterre les survivants? À la frontière. Attends, c'était quoi la question? Un avion se crache à la frontière franco-belge. Oui. Où est-ce qu'on enterre les survivants? Faut d'abord du bon. D'accord. Ah, et ensuite? Et ensuite? Ben ça dépend, on est où là? La frontière franco-belge. Oui, l'avion s'est crashé là. Du coup, les survivants l'enterrent où? Ouais, en pleine frontière. Bah à la douane, non? Ça me fait rigoler. D'accord. Largement. D'accord, je vous dirai la réponse après. Alors. Salut. Vous allez bien? Oui. Super et toi? Ah, je vous ai vous étiez chaude. Super, ça va. Alors, moi c'est Moodle. Toi c'est? Célia. Célia? Emeline. Emeline? Ok, ça marche, pas de souci. Alors, on a des questions pour vous. Mm-hmm. Oui. On peut y aller? Oui. Ok. Emeline et Célia. Alors, je commence par toi par exemple. Vas-y. Dis-moi, c'est quoi le secret que tu n'as jamais révélé à ton ex? Oh là. Non, je crois que je suis trop cash pour donner des secrets à mes ex ou à mon copain actuel, peu importe. Il n'y a pas de mensonge avec moi. Il y a un truc qui ne va pas, c'est je le dis. Mais il n'y a pas un truc que tu as fait dans son dos que tu lui as caché? Jamais. Jamais? Jamais. À part frapper son frère, mais ça compte pas. Ah, t'as tabassé ton frère? Non, le sien. Ah, tu as tabassé son frère? Ouais, mais c'était gentil. Ok, du coup, il n'y a pas autre chose que tu as fait dans son dos que si ta question, c'est est-ce que j'ai déjà trompé, c'est non. Non, pas besoin. T'inquiète. Ok, et toi, du coup? Non, je n'en ai pas. Ah, ok. Pas de secret avec Alex. Du coup, t'es célibataire? Ouais. Ok, on va laisser l'annonce dans le groupe. Non, non. On va laisser l'annonce dans le groupe. T'inquiète, tu vas trouver quelqu'un. Non, mais t'es trop belle, tu vas trouver quelqu'un. Voilà, laisse-la apprendre à s'aimer elle-même, ensuite on verra. C'est bon, les je suis même, c'est bon. Ah, voilà. Ok, alors. Et ma bite aussi. On continue. Alors, du coup, est-ce que pour 20 000 euros, tu serais prête à tricher un peu? À tricher pour? T'es en couple? Non. Ben voilà. Supposons que t'es en couple, est-ce que pour 20 000 euros, tu serais prête à... Même pas en rêve. Même pas en rêve? Non. Toi, c'est la loyauté. Ah, grave. La fidélité. Grave, même, on m'achète pas, moi. Donc, 20 000 euros? Ah, même. Tricher un peu? Non. Que dalle, supposons que ton copain il est gravement malade, on a besoin de l'opérer, on a besoin de 10 000 euros, 25 000 euros pour le soigner, et puis on te propose 1 000 euros pour... Non, je me débrouille, je travaille pour ça, mais je vais pas aller faire je sais pas quoi pour 20 000 balles. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ok, pas de souci, fidèle, c'est bien. Alors, il faut. C'est quoi l'endroit insolite auquel on ne s'attendait pas, où tu l'as fait avec lui? À l'arrière d'un cimetière. Quoi? Mais c'était pas dedans, c'était derrière un cimetière. À l'arrière d'un cimetière? Ouais, voilà, on n'était pas dedans. Ah ouais, t'as même pas peur de revenants ou de fantômes? Non, je sais pas, c'était comme ouais, ça. L'adrénaline était tellement forte que... Ouais, voilà. À l'arrière d'un cimetière, ok, ça marche. Et toi, Emeline? C'est quoi l'endroit le plus insolite que tu l'as fait avec lui? Je crois que toi, c'est ton lit. Ouais. Allez, elle est tout mon contraire, elle. Elle n'est pas aventureuse.
Si, je peux, mais vas-y, j'ai pas le temps. T'as jamais fait? Hein? Si. T'as jamais fait? Dis-nous, dis-nous. Non, dis-nous. Non, non. Et ici, vas-y. Fait. Tu veux qu'on s'appelle Kenny? Tu lui fais des clins d'œil, là. On va rien dire là-dessus. On va rien dire. Ça me fait rigoler. Quel est le secret que tu n'as jamais révélé à ton ex? Jumel, c'est quoi le secret que tu n'as jamais révélé à ton ex? La vérité, j'ai pas d'ex. Honnêtement. Et toi? C'est Maïli, t'as dit? Maïli, ouais. Maïli, ok. Je sais pas. Là, tu réponds vraiment comme une politologue, ok. Non, bah, je sais pas, c'est commentaire. Sans commentaire. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose entre toi et ton meilleur pote? Non. Et toi? Non. Pas du tout. Non, du tout. Ah! Est-ce que pour 20 000 euros, tu serais prête à tromper ton mec? 20 000 euros? Oui. Le tromper? Oui. C'est 20 000 euros. L'honneur avant tout. L'honneur avant tout. Bah oui. Ça me fait rigoler. Vous êtes sûr? Vous, c'est la loyauté en fait. Bah oui. En plus, on fait Sciences Po, donc les 20 000. On peut les avoir autrement. Ah ouais, ok. Ok. Quel est l'endroit l'endroit le plus insolite? Ou tu l'as fait avec lui? C'est trop privé ou pas? L'endroit le plus insolite? Oui, où tu l'as fait avec lui? Dans le lit de son meilleur pote. Après, ça prend des loyautés, hein? Ah ouais, là, vous ne pouviez pas vous contenir, ça. C'était trop fort. L'adrénaline était tellement montée que... voilà, dans le lit de, dans le lit de son meilleur pote. Ok, ouais. Et toi? En commentaire. Ah non, quand même. Quand même, madame la politologue, dis quelque chose. Je t'ai dit, j'ai pas d'ex. Ouais. Oui, même avec lui, là. Ah, y'a rien. Comment ça? Dieu, hein. T'es pas en couple? Hein? T'es en couple? Non. Ah, t'es pas en couple? Y'a rien. Ah, ok. Je suis pas en couple, y'a rien. Qui sont les plus belles, d'après vous, qui sont les plus belles entre les Indiennes, les Latinos et les Françaises? Les Latinas. Elles sont magnifiques. Elle a la même chose qu'elle. Ah ouais, elles sont magnifiques. Ah ouais. Ah oui? Grave. Et après, elle, c'est qui? Les Français et après la deuxième chose que vous avez. Ouais. Les Indiennes. Ouais. Après, les Indiennes, elles sont jolies aussi la plupart. Ça dépend lesquelles. Ça dépend. Bon, après, t'as vu, on a pas mal de Françaises qui sont moches. Hein, ouais, bien sûr. Merci. Par contre, vous, n'en faites pas partie. Hein. Ah, si, un peu quand même. Si. Un peu. Sérieux. Ouais. Il y a quelques mots dans l'histoire. Hein? Waouh. Lève-toi les yeux à l'autre.